Bienvenue donc sur Full Set Mega Drive avec. Oula, c'est fort ça non? Avec aujourd'hui Aladdin sur Mega Drive. Alors, on va baisser un peu le son pour moi. Donc, développé par Virgin Interactive et sorti en 1993. Donc, vous venez de voir certainement l'émission Full Set NES où on avait Aladdin sur NES qui est. Développé par Virgin Interactive aussi, et donc une adaptation de cette version-là. Donc, on va lancer. Hop. Ok, ça commence bien. Ma manette est pas reconnue. Elle s'est éteinte. Ok, c'est mieux. Allez, hop. Donc, c'est la même version. Bon, déjà, c'est déjà plus beau que sur NES. Alors, il faut savoir que donc c'est développé par Virgin Interactive et par David Perry. David Perry, vous le connaissez certainement. Donc, c'est Earthworm Jim. Merci pour le t-shirt, c'est un t-shirt offert par Fredo, par Defray. Allez hop, on va lancer. Donc c'est déjà beaucoup plus classe, avec plus de couleurs que la version NES. Donc David Perry donc, qui a en fait s'est fait une réputation avec ce jeu là et a pu après lancer son propre studio. Alors on va commencer. Allez, le marché. Donc le jeu a été réputé pour son animation qui était pas dégueulasse. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai la manette. Est-ce que tu peux me... Voilà, ok. J'ai la manette qui a bugué. Tout va bien. Voilà. Donc ouais, le jeu était très bien animé. Donc la différence avec... Beaucoup ont connu la version Capcom. Mais pourquoi tu m'embêtes aujourd'hui, la manette? Avec la, donc la version Super NES était développée avec la version Capcom, donc j'ai des petits soucis avec la manette, hein, excusez-moi, je vais devoir changer de manette. Alors... Je crois que ma manette a plus de batterie, mais c'est bizarre parce que je l'avais chargée hier. Donc développé par Capcom, la version Super NES, avec un certain Shinji Mikami. Alors, beaucoup disent que la version Mega Drive est supérieure. Alors, ça va être compliqué avec la manette qui s'éteint. Donc je suis mort, ma manette se déconnecte. Alors, attendez, on va essayer de la brancher en USB. Donc ouais, beaucoup disent que la version Mega Drive est supérieure à la version Super NES. Moi, je suis pas d'accord, en fait. Elles ont toutes les deux leurs différences. La version Super NES est plus colorée. Elle est moins bien animée. Mais elle est, je trouve, plus ronde. Ça va être mieux comme ça. Elles ont leurs différences de gameplay, quoi. Donc je pense que... voilà, c'est chacun sa version. Hop là, ça va mieux quand la manette est branchée. Voilà, c'est pas la manette, hein, c'est moi. Hop. Oups, c'était juste. Alors. J'arrive, t'inquiète. Donc voilà, je pense qu'on... Alors il faut savoir aussi que le jeu a été développé en un temps record. Alors j'ai pas réussi à trouver sur Wikipédia les délais exacts de développement du jeu, quoi. Mais apparemment ils ont dû bosser jour et nuit. Le checkpoint. Une très belle invention pour un jeu rétro, checkpoint.
Donc ils ont développé le jeu en un temps record. Et ils ont bossé jour et nuit sur ce jeu. Donc je pense qu'ils ont passé d'ailleurs... ils ont passé tout leur temps à développer ce jeu et peut-être 3-4 heures à développer la version Game Boy. C'est pas très gentil pour eux parce qu'ils ont passé du temps mine de rien, mais... il faut savoir qu'à l'époque... Est-ce que je peux m'accrocher? Ouais, je peux m'accrocher. À l'époque, au niveau du développement, c'était un peu... la bite et le couteau, si je me permets. Pour l'anecdote, alors c'est pas sur ce jeu-là, mais sur... c'est une anecdote que nous a raconté Paul Cuissé. Donc à l'époque, il travaillait pour Océan, qui lui avait demandé donc d'adapter Space Harrier sur console, je sais pas laquelle. J'imagine que c'était une version obscure. Donc Océan a la particularité donc d'acheter des licences et de pour les adapter sur d'autres plateformes. Et donc il devait donc adapter la version de Space Harrier sur cette plateforme là. Ils avaient rien du tout comme moyen en fait pour adapter la licence, c'est-à-dire que le couple Cuissé allait dans les salles d'arcade avec un caméscope planqué dans le sac à main et filmé en scrud. Hop, le vendeur. Ok, je lui ferai bien plus de jambes. Et donc devait se planquer pour filmer les parties. Et par la suite, en fait, se servir de ce qu'ils avaient filmé pour développer le jeu, quoi. Et bon, ça serait complètement impensable de nos jours. Donc d'avoir une licence et de développer un jeu sans rien. Sans rien du tout. Alors. Hop, une vie. Pas de diamant. Ah, dommage. On a vraiment une belle animation, comme on dit sur le chat, le jeu est vraiment très très bien animé, voilà. Après, moi, personnellement, c'est sûr que j'ai plus d'affinité avec la version Super NES, parce que j'ai eu la version Super NES. Ok. Ok. J'ai perdu. Ouais, en effet, le bonus de Pou est dégueulasse. Ouais, GG, ouais, d'accord. C'était un fail complet. Donc on va passer donc au niveau du désert, si je me fie à la version NES. Ça c'est beau. Ça c'est beau, les sprites edit sont quand même assez classe. Avec le visage qui sort du cadre. Mais voilà, donc voilà, j'ai plus d'affinité avec la version Super NES, mais c'est une question de goût. D'ailleurs, c'est un jeu que... sur Super NES que j'ai acheté en boîte. Alors c'est rigolo hein, parce que c'est vraiment la même version que sur NES, mais en moins moche. Donc on a les serpents qu'ils ont récupéré sur la version NES, mais en mieux animé. Ah, c'est vraiment un downgrade pur et dur. Je veux pas qu'elle ait juste la Ada. Hop. Ah, bah, dommage, ouais, on va pas arrêter de faire le con non plus. Ta-ta-ta. Et en plus, on a plus d'une musique. C'est dommage qu'on puisse pas sauter sur les mecs. Et toujours version Mega Drive par rapport à la version Super NES. On a Aladdin bad guy parce qu'on a Aladdin avec un sabre. Alors que sur Super NES, il faisait que jeter des pommes. Et bon. J'aime beaucoup le petit panneau stop. Alors, Defray, qu'est-ce que tu penses de cette version par rapport à la tienne? T'as pas l'impression de t'être fait trop léser? Alors voilà, donc je peux m'accrocher, hop. Alors, par contre, ça fait pas super oriental comme marquage sur les trucs. Ah, j'ai horreur de ces passages où tu sais pas ce que tu fais, où tu sais pas où tu vas. Alors cette musique, je suis pas sûr qu'elle soit dans le dessin animé. Hein.
J'aimerais bien avoir un petit peu de vie là, s'il vous plaît. Allez, soyez sympa à Disney. Dommage. Ça, c'est quand même plus de classe plutôt que ne rien avoir du tout. Et alors, pour vraiment pour pousser le vice, c'est vraiment la même version dans le sens où sur Super NES, donc il fallait appuyer sur Select pour changer de bouton. Là, en fait, le bouton A permet de jeter les pommes, le bouton B permet de jeter de lancer, de servir du sabre, et le bouton C permet de sauter. C'est quand même beaucoup plus jouable, hein. Ah, il est déjà mort. Ok, comment il a pété, je sais pas. Et je peux me servir des pommes sur... Ah, ok, bon, tant pis. Je suis passé de l'autre côté. Alors par contre, le dingo, c'est sympa. Petit dingo planqué là, ils se sont fait plaisir au niveau des easter eggs. Alors c'est rigolo que la lampe noire soit un bonus alors que c'est censé être la lampe de Jafar dans le dessin animé quoi. Les toilettes des messieurs et des dames. Et les toilettes de génie parce que génie est un genre différent. Non? Faut que j'aille où là? C'est pas là là. Alors. Ouais. Ah, mais il fallait que je récupère les deux scarabées, j'imagine. Chercher l'autre scarabée. Ou est-ce qu'un seul suffit? Il est là. Bien vu, Dr. Jones. Ou devrais-je dire Professeur Jones pour l'occasion. Alors, est-ce que je peux l'avoir par là? Ouais. C'est bon. Bien joué, bien joué. Et donc là, je peux. Ok, deuxième stage terminé. Et il nous reste un peu moins de 10 minutes. Ah oh, mince. Ça c'est quand même ultra classe. Bon, ça on l'a déjà vu. Et donc on retourne à Agrabah. Petite escale par le désert. Comment gagner du sprite en fait en remettant un stage. Alors, les musiques, on pourra toujours dire ce qu'on veut sur. Ah mince! Sur le chipset musical de la Mega Drive. Bon, ça reste. C'est simple. On reconnaît quoi. Le système est pas dégueulasse là où faut choper les différentes cordes pour monter.
non, les musiques du film sont là, hein. On va essayer de sauter de l'autre côté. C'était un échec. Est-ce que bon, on pourra leur faire, on pourra leur faire le même re, enfin, pas leur faire le reproche, mais donc David Perrick qui a fait le jeu et également Earthworm Jim, on peut voir dans ce jeu-là que les plateformes sont quand même un peu plus évidentes que dans Earthworm Jim. C'est un peu plus clair en fait, on sait où on peut marcher et où on ne peut pas marcher. C'est ce que moi je. Alors, je sais que Earthworm Jim est un jeu, est un classique et un peu intouchable. Moi, c'est un reproche que je peux lui faire, c'est que des fois, tu sais pas où tu peux marcher, où tu peux pas marcher. C'est. Bon, maintenant, on a l'habitude, on sait que les jeux sont compliqués, mais. Bon, c'est un problème, quoi. Puis il y a le problème. Oui, c'est tendu, n'est-ce pas, hein? Puis il y a le problème de. Il jouait avec la perspective. Alors, voilà, les jeux étaient excellents, très beaux et tout. Mais des fois, c'était une purge, quoi. Ok. Mais toi, t'es pas censé être contre moi, en fait. Alors, pareil, on voit vraiment le jeu est très différent de la version Super NES. Où en Super NES, on aurait déjà. Enfin, on a déjà. On a déjà eu un boss. Une vie, yeah. Morceau de pain. Et non. Loupé. Alors, est-ce qu'on va encore. Tu vas me foutre la paix, toi? Déjà, au moins, je suis au checkpoint. Comment ça, ces gars, c'est des gens faciles? Mais ça va pas, non? Ouais, ces gars faisaient ce que Nintendo ne faisait pas. Non. Ouais, y a vraiment beau boulot d'animation, quoi. C'est maintenant que tu me files un cœur, toi. C'est un petit peu tard, Kiki. Surveille la barre de vie. Hop là. Mince. Il te lâche rien. Il te faut absolument rester le pad en haut en sautant. Ok. Humble voleur. Ah ouais? Ok. Je viens de ruiner le boss. La croix directionnelle, non, elle est pas mauvaise. Non, je pourrais pas dire qu'elle est mauvaise. Donc il me faut là aussi, j'imagine, les deux scarabées. Ah, merci. Ça y était pas, ça, tout à l'heure. D'accord. Ok, deuxième boss. Ok, je me bats contre Donkey Kong.
Ouais, ok, il y a des pommes en bas, ça va. Ok, il y a des pommes d'un côté, mais pas de l'autre. C'est tendu du slip. Il me reste une pomme. Pas aller loin. Je suis presque mort. Et je suis mort. Dommage. Et voilà, bah écoutez, on en a terminé là pour cette version d'Aladdin sur Mega Drive, sortie en 93. Find the Flute. Et merci d'être passé sur cette émission. Et puis à la prochaine pour une prochaine émission. Allez, bisous. Ta-da. Ta-da.